solo la plus la mokola lolo la mo bandi sélection et salamé libino na surf louzolo. Visite ce président congolais, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Allemagne et Zouaki, résonance très sécuritaire. Après tête à tête, il y a plus de deux heures du temps, et le ngona chancelier fédéral, lobby et l'équi, ba délégation peine na tour na bango, bazalaki na ba séance de travail, et sika wapi, ba traitaki ba question relative na coopération économique, pe na sécurité na est, la République démocratique du Congo. Les Allemands ont fait déjà la déclaration avant que le président n'arrive. Ils ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la RDC. Ils ont dénoncé la présence des militaires rwandais en territoire congolais et réitérer l'invitation que pratiquement le pays de l'Union européenne adresse au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Et nous avons insisté sur le fait que les déclarations sont bonnes, mais l'action c'est encore mieux. Il faut accroître les pressions sur le Rwanda, brandir les sanctions. Nous avons parlé de relations avec l'Union européenne. Les affaires des MOU signés avec le Rwanda alors qu'il y en a déjà un que nous avons signé il y a pratiquement 3 ans. Et nous avons dit aux Européens, venez d'abord qu'on applique les MOU qui a été signé avec vous. Et l'Allemagne peut jouer un rôle. Si vous tenez à votre MOU avec le Rwanda qui ne produit pas les matières premières précieuses, stratégiques dont vous avez besoin, à tout le moins, mettons-nous d'accord sur les mécanismes, les règles de traçabilité qui vont nous garantir qu'on ne touchera pas aux produits qui viennent de la RDC. L'affaire de 20 millions d'euros dont on a dit que l'Union se proposait de donner encore une fois au Rwanda, la Belgique a été claire et le contre, la France aussi, je crois la Hongrie comme d'autres se sont montrés très réservés. Nous avons demandé à l'Allemagne d'avoir des positions très claires là-dessus. Outre sécurité, ma question misusu et celle qui objet à discussion entre les deux parties, notamment accroissement de l'investissement privé, climat des affaires, puis mise en valeur de la ressource naturelle. Heke yo! Mi bali wo bozali komona boye bazali baya kuluna awa tozali na quartier Mayengele na Mikondo na commune ya Kimbanseke plus précisément na souciati ya payi yokali solo ndenge bomoni bango awa bazali bana mibali oyo ba terrorizaka population ya kotoyo na ndenge ya kosakana te bango kutu bakota kati na basouciati bapanzi souciati bakimisi ba policier awa sikoyo ndenge bakangi bango boye bauti kosala désordre ya makasi bapanzi bawenze nyonso ezalaka kotoyo bamesa nyonso mitrai marché kweyi ndenge kaka bozali komona boye bango bazali na matanga bauti kobungisa moko na bango na kombo ya kifufu alias Masuba Nyau sikoyo ndenge bazali na matanga boye awa mutu akomeka na ye te mikolo oyo désordre na désordre bazali kopapa machete kobotola batu biloko na ndenge ya kosakana te tala kutu awa bauti kopapa conducteur ya taxi moto moko na loboko loboko ezoki monene boye loboko ekatani commandant ya société asalaki communication oyo eza na petit moko akufi na matanga place touti na matanga na kombo na ye Masuba Masuba na zali vrai kulu na pe moibi baninga na ye telma ebembe biminante lobi na butu tolalite baye babangi kobuka bawenze ngo filme wana babuki bawenze basuka kana kobuka bawenze te balongwe bake bakangi nzela j'espère que to koma na hôpital au moins na mutu moto bakati ye maboko mais le roi biso pe tolala raté toza pona musala o bakonzi bapesi biso tosalaki musala tokangi ba o esengeli tokanywa okofilme mpo bango okomona bango nde tobengaki yo mpo oya ozwa image oyo message nazopesa na bamama oyo baza kotoyo bayebake poste oyo chaque temps soki mobulu ezali basalaka nini bayaka mpo batumba poste toyoki basango wana biso ava toya bakomanda oyo bazalaki ya liboso
toyebi ke poso bakuluna ka bato batumbaka poste babukaka poste mais touro bakonzi batemiso ndenge batindinga awo stadi na ye pona sa musala na ba police otozana bango mama kanga mwana na yo zwa mwana na yo tinda ye a voyager benda mwana na yo matoi yebisa ye atika kikuluna yebisa ye atika koiba soki na kangi mwana na yo oye na biro na kokanga na yo mama na mwana to tindiki bino na ki de droit na ngambu ya population pe communication et salami boye biso tozana problème ya ba bango ba kuluna te tozana likam na moto wenzo weza ya l'état che wenzo précepteur azana kata wenzo tozo futa tika l'état po L'état n'est pas un salam, ma camounion. Mais bana oba, comme quoi, quand elle soit, mais ça, comme bouga n'yosso. Pour comme il m'a la laisse, comme les gens portent à 18h. Moi, bon, t'es qu'à Wenzézate. C'est que fallait mon bandamba ou 17h, 18h, bah qu'il y a zoé la ok. Mais t'es qu'à 20h, moi, t'es qu'à Zate. L'écart à l'état, y'a qui a moi, Mikolon de papa, Vanda Kiawa, t'es bandé au côté qu'à 20h. Mais t'as la souk au côté, n'est n'a pas de musique, mais babeng, babi, bah quoi, tu coton iné. Baye ko buka ba mesa ba sakadenyos lokola bino ba kontiboza bosala musala na bino bano bakangi ba mama na bangonde baye ko somba batolo na mabaya bafuta wenzi poli wenzo esa ya biso te ezande ya leta okangambira kangi atina biso yeah, asa ta biso to sepeta mama ne ba sufi wenze babuki kulune pai ko botola o juste toke ne wap to sengi na komana pite na tukaba pete renfort pas c'est ça biso libi au Rwanda et si est ah ça Congo ouais ça Congo tu as na ko kabwana tala awa bozui bango boye place na bango ezali lisusu na kati ya population boye te oyo penza isengeli ba kende kanya makasese esika baninga na bango bazali kusala misala po na service ya republique heke yo L'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quitté Mokolo ya lundi 29 avril 2024 na Paris, na France en mission officielle il y a 48 heures. Pour la première journée, il y a visite Oyo, Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Akoyamba tour à tour, président du Sénat, puis président de l'Assemblée nationale. La soirée, Fatshi Béton a se rendre dans le collège de Bernardi et Sikawapi. Ils ont prévu vernissage et un livre. Mokolo ya mardi 30 août, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a s'entretenir dans l'homologue naïe français Emmanuel Macron. Programme Ezali Pé qu'on prévoit notamment série y a bas rencontre n'a bien investissé en français y a premier plan enfin et Sengeli Boye Balisusu Kenfumu Yamboka Fatshi Béton a koukou tanana diaspora congolaise Mokolo ya Souka y a séjour na ye. Eke yo! En
commission officielle depuis l'objet de l'équipe, plus précisément, Mokola lundi 29 avril, na Paris, na capitale française, chef de l'État, la République démocratique du Congo, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, akoyambama, nomologue, naïe français, Emmanuel Macron, Mokolo ya mardi 30 avril 2024. Visite ya forte tonalité économique, mais lors de laquelle, bako solo la paix forcément, makambo etali guerre, na est de la République démocratique du Congo, vu que chef de l'État, ya RDC, Fatshi Béton, a renoncé jamais pour obtenir appui face à la rebelle ya M23 et ya Rwanda. Peine plus d'un an que Emmanuel Macron azalaki awa na Kinshasa à l'occasion ya marathon diplomatique en Afrique centrale, na capitale congolaise ne sika wapi atenaki une conférence de presse et sika pe wapi les deux chefs d'État babandaki kobeta lisolo sur sujet ya conflit na est ya République démocratique du Congo. Au cours ya déjeuner en tête à tête oyo na Élysée, non homologue na ye ya République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Emmanuel Macron et Senge à la qui sa position ya France na moment où yo ba tension ezali makasi pe ba tante ezali ebele en rapport na rôle médiateur potentiel ya Angola. Et sengeli ko signaler li sousou ke outre ba question sécuritaire ba kolobela pe notamment ba perspective économique pe ba projet ya coopération bilatérale surtout na secteur ya ba matières premières et sika wapi France azali ko souhaité ko promouvoir exploitation moko responsable pe transparente. Hey, Kegyo! Arrêté depuis janvier et l'équipe pour na viol pe mariage forcé na mineur ya 14 ans. Pasteur Pierre Kasambaka na dit Pasteur Kas azalaki lobi l'équipe liboso ya bazuzu na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe. Affaire au Yezali qui remonte, na date ya le 22 janvier 2024, et Sikawapi Pasteur Kas, azalaki incarcéré na prison centrale Yamakala, et longo na beau père na ye, Daniel Mabiala, pe officier état civil et agglomération ya Inga, Ngoma Zantoto, sur ordre ya procureur général, pré ya cour ya cassation, pour na incitation, des mineurs à la débauche, mariage forcé, attentat aux bonnes mœurs, faux en écriture, paysage des faux. Lundi 29 avril, Eleki, des fondateurs et églises primitives, répété pour la célébration et mariage entre mineurs et adultes, à Zalaki Libosto et à tribunal de la grande instance et Kinshasa Gombe et Sikawapi, Bayoka Kibango et Longo na papa ya moana, pe officier et état civil, ou à changer qui badate, pour na kota lisake moana azali majeur. Pendant plus de 4 heures d'audition, avec ma preuve à l'appui, procureur a démontré que Mesdames Abiala, Azali mineur P à Botama, le 29 septembre 2019, donc Azalaki na 14 ans, lors de la célébration, il y a mariage, affirmation Oyo, et Azalaki rejeté na défense Oyo, ba souligné que, kaka ba parent, il y a Meda, ne ba koki ko pesa information, il y a malamu, na Oyetali, mwana na bango, ka se sengeli boye ba lisusu ki affaire Oyo, Azali renvoyé pour na le 13 mai 2024. Dossier à suivre. République démocratique du Congo ezali ko célébrer mokolo ya lelo mardi 30 août 2024 journée nationale de l'enseignement date moko ya réflexion sur système éducatif ya pays lelo oyo ekoma journée moko trop timide et pourtant elingaki ezala journée moko esika wapi ba autorité locale ba professionnels d'éducation ba parents ainsi que ba élèves ba débattre sur ba point ebele afin ya ko trouver climat moko ya malamu afin ya ko former mieux ba cadre oyo ba ko aider réellement mboka na biso République démocratique du Congo ba hommage na biso kei na ba enseignants nyonso ba héros dans l'ombre souvent négligés pe oubliés oyo malgré ba difficulté ba onura ka digne métier oyo pe ba transmettaka savoir na belite ya République démocratique du Congo. Par ailleurs, il faut qu'on rendre ba vibrant hommage na chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo po na ye éducation pe formation ya bana ya Congo ezali ko constituer préoccupation moko prioritaire pe permanente
oyo et se trouvaka ainsi inscrite au cœur ya baksion na ye nyonso. Eke yo! Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatshi Béton, pe homologue naye français Emmanuel Macron, ba restitué qui na presse contenu ya tête à tête na bango, ya mardi 30 avril eleki na palais ya Élysée na France. Prenons parole en premier. Emmanuel Macron a prometta qui homologue naye congolais que France a kobunda po na retour ya kimia na est ya République démocratique du Congo après près ya 3 décennies ya chaos. Enfin, votre visite intervient, je l'évoquais, dans un contexte particulièrement tragique pour le peuple congolais. Nous en avons évidemment longuement parlé avec le président à l'instant. La population de l'est de la RDC souffre depuis maintenant 3 décennies des conflits armés, des déplacements de population et des ingérences étrangères. La France continuera à se battre pour qu'elle ne soit pas oubliée et qu'une solution soit trouvée. Et vous recevoir, passer le temps que nous avons passé à parler en détail de ce qui se joue, c'est aussi redire très clairement qu'il ne peut pas y avoir de double standard et que nous qui défendons l'intégrité territoriale en Europe, nous la défendons aussi sur le continent africain. Dans ce contexte particulièrement douloureux, je veux évidemment réexprimer notre solidarité avec le peuple congolais et rappeler ici la position de la France. D'abord, la France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Ensuite, nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible, la France condamne fermement l'action de tous les groupes armés, et particulièrement l'offensive du M23, qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe. Tous les groupes armés, je dis bien tous, doivent être désarmés progressivement, démobilisés. Et c'est un recours plein et entier à votre souveraineté qui doit s'en suivre. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Je lui ai redit et je le rappellerai dans les prochains jours. Et l'urgence est à la désescalade. Il est également important, dans le même temps, de lutter contre les discours de haine et l'action des anciens génocidaires du FDLR. Et je veux vous remercier pour les engagements très clairs que vous avez pris, pour à la fois agir de manière très concrète et assumer politiquement la lutte contre les FDLR, et nous engager la communauté internationale et les forces onusiennes pour accompagner le processus, évidemment, de DDR, de cette force. Aucune de ces forces n'a quelque légitimité que ce soit. La seule force armée qui peut et doit opérer sur votre territoire, ce sont les forces armées de la RDC. De son côté, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a communiqué qui peut boyer. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est l'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais, surtout dans ce que nous subissons comme guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda, qui soutient le M23. Et je pense qu'avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. On peut compter, je peux le dire, c'est un risque que je prends, mais je l'assume. On peut dire qu'on peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix. Parce que de la paix dépendra maintenant beaucoup d'autres choses, notamment le développement par l'investissement des opérateurs économiques français dans tout ce qu'il y a comme opportunité à saisir en République démocratique du Congo. Ici, on a parlé des minerais critiques, mais on a également parlé des infrastructures et principalement du grand projet d'Inga, ce projet qui me tient à cœur et qui a beaucoup d'intérêt manifesté en ce moment. Et la France veut être aux premières loges pour nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Je crois que nous avons eu une très très belle discussion et moi de mon côté je peux dire que j'ai eu un excellent séjour. Avant de rencontrer le président Macron, j'ai rencontré plusieurs représentants de la classe politique française, des institutions françaises
Et ça s'est très, très bien passé au Sénat, à l'Assemblée nationale et ce matin au ministère de la Défense. Je repars très satisfait et très optimiste quant à l'avenir des relations franco-congolaises. Que vivent d'ailleurs ces relations franco-congolaises. Monsieur le Président, encore une fois, merci. Pour un rappel, chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a se rendaki dans le ministère de la Défense de la République de la France dans la matinée de Mokolo ya mardi 30 avril 2024. Alors, excusez-moi, mais nous, on a un train de retard, on n'a pas participé au dîner, alors je voudrais commencer... Ce qu'avait dit le président Sarkozy il y a quelques années était peut-être sujet à débat en ce moment-là. Mais je pense que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis lors. Et aujourd'hui, la situation est totalement différente. Je suis moi-même témoin vivant de ce que je vais dire. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai tendu la main à tous nos voisins. J'ai fait le tour, on en a 9, je les ai tous vus, particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, pour tirer un trait sur nos tensions du passé. Et nous avons expérimenté ce dont avait parlé le président Sarkozy, c'est-à-dire cette coopération sur des projets, des joint ventures, une coopération qui allait mettre ensemble nos pays et déboucher sur le bien-être de nos populations. Mais j'ai été payé en monnaie de singe. Je ne vous l'apprends pas. Vous le savez, nous avons été poignardés dans le dos par le Rwanda qui, au lieu de se contenter de cette proposition que je faisais, qui allait garantir une transparence dans nos échanges et garantir aussi le principe gagnant-gagnant dans cette collaboration, ils ont préféré continuer ce trafic illicite qu'ils mènent sur le sang du peuple congolais. Et cela me rend donc plus réfractaire à l'idée de pouvoir rééditer cette expérience. En tout cas, du moins... Tant que sera à la tête de ce pays le président Kagame. Peut-être que les choses évolueront, qui sait, mais en ce moment, malheureusement, le rêve du président Sarkozy n'est pas réalisable en République démocratique du Congo. En parlant de Goma, vous avez dit que Goma est presque totalement... asphyxié. C'est fait exprès parce qu'ils ont profité d'un moment d'accalmie, moment que nous avons saisi pour donner la chance à la paix, à la demande de nos partenaires, pour avancer leurs troupes et ainsi essayer de couper la ville de Goma de tout approvisionnement, l'asphyxier et donc pouvoir la prendre. Je peux vous garantir que nous sommes en train de travailler pour que cela n'arrive pas. Et tant que cette situation sera comme elle est, ce sera impossible de parler. Vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un qui vous maintient le couteau à la gorge. Ce n'est pas possible. Donc, vous avez compris, pour avoir l'éventualité ou la possibilité de discussion, il faut que la situation évolue. C'est-à-dire, il faut que l'armée rwandaise qui actuellement se trouve sur le sol de mon pays et non le M23, parce que le M23 c'est une coquille vide que le Rwanda brandit, il faut que l'armée rwandaise ait quitté le sol congolais. Alors à ce moment-là, oui, ce sera possible de discuter, mais discuter pour désormais s'entendre sur le fait que le Rwanda n'a plus rien à venir faire en République démocratique du Congo au niveau militaire. Diaspora ya République démocratique du Congo vivant na France estimé na près ya 50 000 âmes. Ezali moko ya la plus grande communauté ya Europe ba Congolais oyo ba pona France lokola seconde patrie na bango bazalaki ebele
pona ko accorder second mandat na chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo Fatshi Béton lors ya élection ya le 20 décembre 2023. Ba élection oyo e permettant ki pona mbala liboso na ba congolais vivant à l'étranger droit ya ko voter avec plus de 80% ya suffrage exprimé en faveur ya candidat Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo na devoir ya rélévabilité de Mokonzi ya mboka Fatshi Béton a remercié ki bango. Démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la très distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Et Sengel Boye Bake, plusieurs sujets, Izala qui abordé Mokolo Yango, question Pona Fumu Yamboka Fatshi Béton a expliqué Bango, Oyo Nyonso a bongisi na avantage ya Bakongolais. Na second mandat na ye. Je suis très heureux nazana esengo makasi ya kokuta na bino lelo ndenge na lakaki bino. Vous vous rappelez lorsque tokendeki na maponomi, j'avais promis que je passerai partout où se trouvent nos compatriotes, que ce soit ici, dans la diaspora, ou bien au Congo, pour les remercier de s'être mobilisés massivement et d'avoir massivement voté pour moi. Je tiens à vous dire, chers compatriotes, que c'est important que nous restions unis. Celui qui est devant vous prend l'engagement de ne jamais trahir le Congo. Je mettrai toute mon énergie, toute ma détermination à défendre mes compatriotes où qu'ils soient et dans tout ce qu'ils font. Voilà pourquoi j'attire votre attention sur le fait que plus nous serons nombreux et plus nous serons unis, l'ennemi ne passera pas. Juste après noble exercice Oyo Mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatshi Béton Mukwantombolo ayokaki bango na jeu ya ba question réponse et sika wapi basengaki biloko ebele, notamment allègement ya ba taxes douanières pe amélioration ya ba taxes d'investissement pona ba oyo bazali ko souhaiter ko retrouver mboka na bango République démocratique du Congo. Boende zalaka Fatshi Béton. Yeah, yo. Opération Panthère Noire, soki tolandeli yango malamu te, mutu na mutu akosala makambu na ndenge na ye. Tozali awa na commune ya Kisenso na quartier Kabila, na ancien combattant mwana mobali oyo bomoni azali kotanga makila boye azoki babeti yende masasi na lokolo. Selon ba information tozwi sur place, matanga moko ezalaki nesika oyo désordre salamaki kasi calme monsieur kotaki babengaki ba FARDC bayaki awa. Mwana mobali oyo boye inosa moweyi aye na ye après désordre aye baki kutute nini eleki awa ayikara na coin ye pa zalaki kangaye kangaye batu babandi mbangu abandi pe kokima ayo kakaka boye tuya tuya makila na lokolo azoki yoka ye moko victime nenga betili solo zalaki na uchi mata Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison.
Ba konzi ya mboka, papa vice-ministre, ministre ya intérieur, papa Peter Kazadi Kankonde, tala nanu likambu oyo po, depuis lancement ya opération Panthère Noire, awana Kinshasa, bitire la mwanza ekomi mingi. Tala penza boye, mwana mubali inosamu wei, ndenge azuki. Koka mwe. Merci, mesdames et messieurs, qui terminent à Colanda, selon la plus ya Mokolanolo, Angou, Ekomi, Nasuka, vous savez, vous avez l'image, vous pouvez ça. Merci, na Israël, Mouni, quatre fois. Champion Play, nous avons la Sim Moko, Zalaki, Nasima, Kamera, Bombi, Vukunu, le TikTok, Men, nous avons la Nareje finale. Bama, Tabaki, 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 Fils, Mani, Boy, Kamachine, na préféré, Bino. Ekeyo.